Mesdames et messieurs, très chers invités, bonsoir. Le bureau du Parti de l'Espoir pour le Développement National, le PEDN, section Belgique, par mon humble voix vous souhaite la bienvenue et vous exprime sa joie et sa gratitude d'être honoré de votre présence à ce meeting organisé à l'occasion de la visite du président du PEDN, M. Lansana Kouyaté. Mesdames et messieurs, le 2 octobre 1958, l'indépendance de notre patrimoine commun, la Guinée, fut proclamée au prix de plusieurs sacrifices. 50 ans après, notre Guinée se cherche toujours. L'abondance de nos ressources ne nous a pas aidés à obtenir notre autonomie en besoins énergétiques, à plus forte raison atteindre l'autosuffisance alimentaire. Des milliers de Guinéens choisissent l'exil, comme moi, dans l'unique but de sortir du trio de la désolation, pauvreté, déception, misère. Aucune couche n'est à l'abri de ce fléau. Étudiants, cadres, militaires, commerçants, femmes au foyer, hommes de métier, enfants, comme nos frères qui nous ont quittés il y a cela 10 ans, Yagin et Fodé. Tous quittent le bateau guinéen, souvent au prix de leur vie, à la quête du minimum. Face à ce triste constat, heureusement que l'espoir est encore permis, car des milliers d'autres Guinéens ont compris que le salut ne peut venir que dans l'instauration d'un état de droit, que dans le respect des lois en vigueur, que dans la nette séparation des pouvoirs, bref, que dans la démocratie. Atteindre ces objectifs nécessite un choix, un préalable, qui consiste à croire et à militer au sein d'une formation politique qui répond au mieux à nos attentes. L'arrivée du PEDN sur la scène politique guinéenne est venue combler pour bon nombre d'entre nous ce vide. Aujourd'hui, l'avènement du CNDD a favorisé la médiatisation des pratiques d'un autre âge qui gangrénait la présidence, empêchait et sabotait systématiquement tout projet qui pouvait profiter au peuple, les complots, les faux décrets et contre-décrets, etc., etc. Évoluer dans cet environnement austère était synonyme d'un échec pour le commun des mortels. Mais vous, Monsieur le Président, vous vous êtes battu avec les hommes et femmes qui ont cru en vous. Et vous avez pu faire ce que nous attendions de vous, c'est-à-dire honorer la confiance. Par votre courage, vous avez pu vous battre pour nous aider à éclairer notre autoroute à l'aide des panneaux solaires, soulager la population en mettant des bus en circulation, désenclaver les îles de Los, Kassa, Fotoba et autres en mettant en place un bateau qui fait chaque jour la navette, obtenir des fonds pour l'électrification dans un premier temps de la ville de Conakry, instaurer la confiance avec la population en étant transparent dans la gestion de la chose publique, annuler une partie de la dette auprès des créanciers de l'État, diminuer le nombre pléthorique de nos ministères, ce qui a entraîné une baisse de nos dépenses publiques, etc., etc. Monsieur le Président, les résultats obtenus suite à votre passage à la primature parlent à votre place. Fort de ce constat, les membres du bureau, militants et sympathisants du PEDN Belgique, par ma voix, vous témoignent leur attachement aux idéaux du parti et vous renouvellent leur confiance pour guider le parti à la victoire finale pour le salut de la nation. Vive le président Lansana Kouyaté, vive le PEDN, vive la République. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Et bien maintenant, pour la suite du programme, nous allons donner la parole à la délégation du PEDN à Paris, qui a un discours à tenir aussi. Merci. Merci.
Mesdames, mademoiselles, messieurs, chers compatriotes, il me soit cet après-midi l'honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée. À cette occasion, permettez-moi de vous présenter la délégation de la Fédération de France du PDN, Parti de l'Espoir pour le Développement National. Le conseil actuel comprend le secrétaire fédéral, M. Biro Kalé moi-même, le secrétaire aux affaires politiques, M. Diawara Sekou, le secrétaire administratif, M. Abdul Karim Haribo, le secrétaire administratif adjoint, M. Ousmane Diallo, secrétaire aux affaires sociales, Mme Amina Touré, secrétaire adjoint aux affaires sociales, M. Moumini Kamara. Le comité de soutien comprend M. Djibril Kamara, président, M. Moutaga Kamara, Mme Malima Kitali Kamara, M. Nkaba Kondé, M. David Breté, Mme Kémé Kondé, M. Ibouz Kouyaté. Nous sommes également avec nos artistes qui sont venus de Paris, dont Mme Safiatou Kondé, Mme Raïcha et Mme Ibouz Kouyaté. Au nom du parti et de son président, je remercie les responsables du PDN de Belgique par rapport à l'initiative qui a été prise pour soutenir son excellence, M. Lassana Kouyaté, président du PDN. Le Bureau fédéral de France et le comité de soutien s'engagent avec vous pour soutenir les idéaux et les objectifs que ce nouveau parti s'est assigné. Nous soutenons donc votre élan pour l'espoir et le développement, qui cependant ne peuvent être atteints que grâce à leur soutien et leur concours. Chers compatriotes, nous devons nous unir pour vaincre l'état dont souffre notre patrimoine commun, à savoir notre chère Guinée. Vous savez tous que notre pays est victime d'ethnocentrisme. Il est alimenté par les ondits, des malentendus, des mensonges, des événements connus de tous, mais considérés comme tabous. Les conséquences de cet art constituent notre malheur. Les Guinéens ne se sont jamais unis pour une cause nationale commune. C'est le cas dans les pays voisins, tels le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et le Ghana, qui se sont pourtant eux aussi considérés de plusieurs ethnies et de plusieurs régions, mais dans ces pays, les ethnies savent oublier leurs différences pour l'intérêt national. Concernant les partis politiques guinéens présents dans cette salle, je vous dirais tout simplement que la Guinée est une famille. Nous ne sommes pas des ennemis. Chaque parti se fait pour faire valoir pour le projet de société ou l'intérêt de toutes les Guinéennes et tous les Guinéens. Vive le PDN, vive son président, vive la Guinée. Que la paix règne dans notre pays.